Il était une fois la planète noire. On l'appelait comme cela car, sur cette planète, il tombait constamment une sorte de neige noire. Celle-ci était formée de déchets. En effet, sur cet astre, les déchets produits par ses habitants s'évaporaient dans l'air et retombaient en pluie et neige noire. Ses habitants, autrefois heureux et pleins d'entrain, étaient aujourd'hui tristes et sans envie. Les plus vieux d'entre eux se souviennent d'une époque lointaine où leur planète était bleue et pleine de vie. Jusqu'au jour où les hommes, inconscients de leurs actes, se retrouvèrent submergés de déchets. Deux clans s'opposèrent alors. Celui des incinérateurs, qui affirmait qu'il suffisait de brûler tous ces déchets pour être tranquille, et le clan des responsables, moins fort et un peu moqué, qui expliquait que l'incinération n'était pas la solution miracle et qu'il vaudrait mieux trouver des solutions pour réduire les déchets. Les deux clans s'affrontèrent. Ceux qui crièrent le plus fort gagnèrent probablement.
On ne sait pas exactement quelles mutations s'opérèrent sur cette planète pour que, dorénavant, chaque déchet s'évapore automatiquement sans même passer dans un de ces anciens incinérateurs. Certains disent que les déchets, lassés de ne pas être considérés, ont pris vie pour punir les habitants de cette planète de ne pas avoir été responsables.